Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne Zefringui. Aujourd'hui on est sur Empyrean comme d'hab, Galactic Survival. Écoutez, on va voir comment ça se passe, allez on y va tout de suite. Voilà, nous y sommes les amis. Ah mais de l'autre côté. Je voulais aller vers le Satium, vers l'astéroïde du Satium, mais de l'autre côté de la planète. Donc on va aller récupérer nos petits minages. Bien sûr je pourrais laisser celui-là dans l'espace et puis partir avec un petit chasseur aussi. Je crois que c'est sûrement, certainement solution. Je vais le mettre par là, je vais le laisser par là. Je vais le laisser par là, je vais prendre un chasseur, je vais partir à la chasse pour récupérer mon minage de ça et après on retourne à la base. Donc je crois qu'on va même l'arrêter là tout de suite parce que ça va en aller beaucoup plus loin. C'est quand même super lent comparé aux autres chasseurs que j'ai, aux autres petits vaisseaux que j'ai. L'oxygène je m'en fous, j'ai pas besoin de faim. Pour manger de l'oxygène, j'ai dans mon scaphandre. On va prendre du carbu pour recharger les... On va prendre un peu d'oxygène aussi. Tac. On va prendre un peu de carbu quand même pour recharger mes mineurs. Je vais manger un petit quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose en préparation? Non. On va prendre un petit peu de steak d'ailleurs, je commence à tomber en rate de bouffe, donc c'est le moment qu'on se rentre. Tac. Un constructeur, il construit, c'est très bien. Nous, on va prendre notre petit chasseur qui est juste au-dessus, qui est garé comme à la Wallou. Du carburant, j'en ai assez, on est bon. Mais propulsion. Je m'excuse. Et on est parti. Donc celui-là, il va déjà aller un peu plus vite. Mon vaisseau mère ne bougera pas, il n'y a pas de souci. On va récupérer notre minage là-dessus. Il y a du néodysium qu'on bataillait il n'y a pas si longtemps que ça pour l'avoir. Et puis, je sais plus. Après, on ira vite fait de l'autre côté, sur la Lune. Pour récupérer aussi des mineurs. Je crois que c'était les... C'est vraiment la seule planète que j'ai vraiment mis beaucoup d'automineurs. C'est le néodysium, Satium et Pentaxile. Donc, j'ai mis le max ici pour récupérer le plus de ressources possible pour l'instant vu qu'il y a... Avec ça à dispo. Donc nous avons un automineur derrière nous. Nous avons monté un automineur un peu partout. Donc on va aller direct sur le néodysium. Là on est pas loin en plus. Le néodysium est juste là-bas. Quand je sais même pas si j'ai pris des armes comme d'habitude, je risque de me faire interrouiller par les bestioles du coin. Là j'ai vu un drone, j'ai vu une petite flèche rouge. Je charge quand même des pétoires. Je m'excuse. Et puis, on va récupérer un peu de néodysium. J'ai vu un homme des glaces. Oups, on met le frein. C'est du V1 ici. Pof, hop là. Pas bon, hein. Quand on tape avec le vaisseau, ça fait des dégâts quand même. Hein. Faut pas croire que ça fait pas de dégâts. Pas beaucoup de néodysium sur le coup. Ah bon, c'est pas grave, j'ai eu un petit bonhomme des neiges. Il est où le petit bonhomme des neiges? Il est là. Il y en a deux toujours. Voilà, c'est les missiles forcément. Dans la tête. Et pouf dans le dos. On va se poser là. On va aller chercher notre petit loot. Il y a toujours plein de... Ah, il y en a un autre là-bas, tiens. Je vais faire venir par là. Il arrive, je vais looter l'autre en attendant. Et il est où? J'ai pas de jetpack, bien entendu. Ah, il y en a un autre aussi là-bas. Ah, il vient, venez là, mes petits lolos, c'est... Et pour vous buter. Alors l'autre devrait être plus proche que lui. Alors, il est où? Il est là. Toi t'es mort. Ça mérite d'être clair. Toujours plein de petits cailloux sympas. Encore un temps
viennent avec leur super victoire qui fait exactement le même bruit. Ça j'utilise pas souvent ça là, on dirait un bazooka, mais c'est quand même nettement efficace hein. Je peux vous le dire, il est nettement efficace. Bon alors, on a récupéré ça là-bas en haut, il y a du méchant. On va redescendre récupérer celui-ci, cobalt. Et après on monte au Satium. Allez, on y va. On recharge un peu, donc c'est dans quelle direction? Le cobalt, il est par là. Là, il y a un petit drone. Ça va bien parce qu'il tire, hein. Il tire un missile. Il tire une roquette déjà en premier. Il discute pas, les gars. Il discute pas, il vous envoie une roquette d'abord, et puis après, on voit. Sur la lune de cette planète, de cette petite. Espace, il y a aussi des mineurs. J'ai dû mettre pour le pataxi vu que la lune là-bas est totalement, c'est totalement pillé à la main, bien sûr. Donc il y a forcément sur cette lune-ci, il me semble. Mais bon, on va voir ça et puis après on retournera à la maison pour voir tout ce qu'on a. Il faudra refaire des automineurs de toute manière. Oups. Là, il y a une petite patrouille, comme vous avez pu voir. Là-bas, il y en a aussi. Donc, les patrouilles, il faut faire attention. Celui-là, il risque de me voir, parce que je suis quand même pas mal. Donc, je vais essayer de me poser le plus proche possible. Sans que les patrouilles me voient. Manifestement, ils sont quand même pas loin, ils sont à portée. Hein. Donc, on va les arroser, je crois. Oui, surtout. Un petit vélo qui court parce que généralement je me lance au quête. Il va arriver. Moi j'ai déjà récupéré mon carbu. J'ai déjà récupéré ce qu'il y a là-dedans. On se pose. J'ai du cobalt, ok. J'ai du carbu, je vais aller me poser. Voir ces pauvres malheureux, voir ce qu'ils ont d'intéressant pour moi. Là-bas, il y a encore une... Il est pas mort, lui. Patrouille, les petits loulous, des patrouilles. On se pose, tac. Changer de vue. Là, il n'y a personne. Là-bas, il y en a. Donc, on va régler ça, on va charger ça aussi. Fusil à pompe, si. Manifestement, je suis en cours de munitions. Monnaie toi. Donne-moi ta carcasse. Toi aussi. Toi aussi. Quand ils sont là-bas, hein. ils sont en attente. Mais par contre ça fait toi, je vous dis pas. Hein. Je fais sévère mal. Alors, lui, je vais essayer de fumer celui qui est armé, celui-là là. Voilà, lui c'est bon. Regardez s'il y a une autre patrouille qui traîne. Toujours bien pour se recharger direct derrière. J'ai eu pas mal de surprises. Alors on a me charger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là des patrouilles c'est marrant, ça y avait pas avant, enfin je crois pas. Sur serveur il n'y avait pas forcément, mais c'est intéressant. Je vois quand vous êtes près des bases, des des grosses bases, tu m'excuses. Près de gros complexes on va dire. Il y a des patrouilles qui tournent autour, c'est marrant quoi.
Alors j'ai eu une mauvaise expérience, que j'ai voulu les tuer, que j'ai pas réussi, puis ils m'ont pété mon cockpit et puis je suis mort. J'ai perdu mon vaisseau et ma figure en même temps. C'était pas la gloire pour Fringy. Donc Fringuette, faut qu'elle fasse quand même attention. Donc nous on va aller voir notre Satium qui est là-bas. Je vais remettre mes munitions. Je vais les laisser le frein des ruines. Je sais pas ce qu'il y a dans les ruines en fait, de la déco peut-être. Oups. Qu'est-ce qui me tire dessus? Qu'est-ce qui me tire dessus? Ah, on est passé près d'une base, d'accord. Là, c'est une patrouille aussi. Heureusement qu'il est blindé, parce que... Autrement, j'aurais pu souffrir. Donc, il y a des patrouilles, il y a des tourelles, il y a tout ce qu'il vous faut pour vous occuper, là. En solo, je peux vous dire, enfin, il y a quand même de quoi faire. Hein. Ouais, ça peut être tendu, hein, ça... Abandoned Factory. Il y a le temps de passer un bon moment. Hein. Vous avez le temps d'y passer un bon moment. Bon, on va récupérer notre Satium. Là-bas, il y a un truc là-bas en bas. Je sais plus, ça doit être une farm. Non, c'est une ferme. Rien de spécialement intéressant. Là, il y a du Satium, mais c'est pas un truc que j'ai. Le mineur. Ce que j'ai le mineur, j'ai mis. C'est pointé sur la carte. Si dans ce cas, non, peut-être dans l'autre, j'aurais encore un auto mineur, un V1, qui traînerait là-bas par hasard. Mais je suis pas sûr. On regardera ça quand on arrive, on rentrera à la base pour voir ce qu'il y a dans toutes les cales, parce que j'ai tellement de loot parfois que je sais plus vraiment ce qu'il y a. Alors, on arrive vers notre petit auto mineur, il est par là. Oui, mais c'est pas l'espace pour freiner, c'est le C. C'est le C. Donc quoi, est-ce qu'on est à l'automineur? Paf! Sur le cockpit, on reste sur le cockpit. Il est même pas au sol. Ah, il est à bloc quasi. De Satium. Il est au bloc de Satium. Et puis bah maintenant, on va pouvoir partir direct dans l'espace. On va aller vers notre... la lune. Faudrait que je descende, faudrait que je me pose et mettre ça dans la soupe parce que manifestement on suit encore des stacks, des slots ouverts. Donc on va aller vite, on va aller à la lune récupérer notre matos aussi. Et puis là-bas il y a notre vaisseau mère, on est ok. Quand faut pas que je redescende, je suis presque. La lune elle est de l'autre côté. Ouais, totalement de l'autre côté quoi. Je suis totalement pas au bon endroit là, les petits loulous, on est totalement pas au bon endroit. Ah, c'est la story, je croyais que c'était encore là. Un bug avec la map. Qui disait oui. Enregistrement par là, mais non, c'est l'astéroïde de Satium qu'on s'était amusé à démonter vite fait. Quand la lune est super loin. Elle est où la lune? Elle est où la lune? Elle est totalement à l'opposé quoi. Heureusement qu'on n'a pas besoin de carbu pour se lancer. Hein. On se lance. On va direction la lune. Puis on récupère notre matos. Dans mon vaisseau mère et on retourne à la maison. Allez, on y va tout de suite. Eh ben les petits loups, écoutez, on est là de retour et puis écoutez, on va certainement modifier notre vaisseau et tout. Donc il va nous falloir quand même la ressource et vu qu'on a maintenant des canons de démontage, on va aller vers le Derrick Ship là-bas et on va le démonter. Montrer au début comment ça marche et puis après je vais faire un rapide pour pas que ça vous prenne la tête. Pour démonter un derrick comme ça il va falloir un peu de temps. C'est bien 5 à 10 minutes. Donc je vais vous montrer comment marchent les tourelles de démontage.
Elles sont uniquement pour. Je sais pas si on peut réparer ou pas. Peut-être les. Si, il y a des options. On peut réparer d'autres vaisseaux, des nôtres, à nous, ou à des collègues et tout ce que vous voulez. On peut démonter aussi. Donc, je vais vous montrer ça, comment ça se passe. Je dirais qu'il fallait qu'on. Je voulais le démonter, donc on va le démonter. Comme ça, on va avoir beaucoup de ferraille. Pouvoir faire beaucoup de blocs de fer en acier militaire. Et on modifiera ce petit vaisseau. On va le démonter un peu tout de suite peut-être, pas plus tard peut-être, je le ferai peut-être en rapide. On verra, mais je vais le modifier un petit peu. Pour que ce soit un peu plus effectivement plus sympa pour l'instant. Pour éviter de faire non plus par faire 15 vaisseaux. Chaque fois des blueprints, c'est un peu simple, hein, je trouve. Donc on va le faire un peu en manuel les amis. On va le faire un peu en manuel. Peut-être on le fera dans l'espace, peut-être on le fera sur notre planète, mais je crois que ce sera peut-être plutôt dans l'espace. Max de chat de max de blocs et tout. Puis au pire on a 300 constructeurs qui un constructeur avancé ici dans ce vaisseau-ci. Donc je vais peut-être récupérer beaucoup de ressources sur ma place dans la base. Et puis dès qu'il y a besoin ou qu'il faut démonter ou qu'il faut que je récupère ou que je fasse à des blocs, bah je pourrais les faire parce que j'ai le constructeur pour faire les modifications de blocs qui m'intéressent. Donc on va se mettre juste bien dans le non dans, en plein milieu du bien mais plein milieu du ship. On va se mettre par là. Oups, un peu trop vite, balèze comparé à mon petit bidule là. On va même se mettre, on va se mettre même un peu en dessous. On va se mettre juste là, tac. Écoute, ça, les freins sont pas très violents parce que des super gros propulseurs. On va se mettre juste dans l'as, dans l'arc. L'arc de cercle. Oups. Eh ben de retour à notre base, nos petits loulous, on est de retour à notre petite base. Et j'ai démonté mon ancien mineur, j'en ai fait un nouveau, j'ai pu le blueprinter. J'ai pu le blueprinter avec les accessoires de l'ancien et j'ai pu en voir le tout dernier, ça c'est le tout dernier modèle que j'avais fait, c'est le mineur MK10C. Et il est costaud. Il est costaud le bestio, il est costaud. Il est quand même pas mal chiadé celui-là quand même. Même si c'est pas un avec la nouvelle version, avec tous les nouveaux petits instruments. Qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons trois postes de pilotage. Il est beaucoup plus large que l'autre. Il est beaucoup moins haut que l'autre. Et on a tout à disposition par là-dessous, par là-dedans. Donc on a l'oxygène, le coffre là, armure, un inventaire là, encore là, là. Là on a pour réparer, là on a des inventaires ici aussi, du minage pour là. La santé, le lit, peut-être allumer les lumières, c'est peut-être plus sympa. Heureusement aujourd'hui on a été évolué, on a mis des interrupteurs pour les lumières. Là il n'y a pas de lumière, donc ça c'est pas mal. Je sais pas pourquoi j'ai mis un truc de lumière alors qu'il n'y en a pas ici, mais bon, peut-être qu'il y en a là-bas. Là-bas, donc frigo, le truc pour la bouffe, le spoon bien entendu,
notre constructeur avancé. J'ai déjà mis mon petit chasseur là-dedans. On a... Pourquoi la lumière s'est pas allumée? Parce que je l'ai pas allumé. Ces capteurs ne sont pas allumés. Pour que les interrupteurs marchent, il faut allumer les capteurs déclencheurs. Autrement, ça ne marche pas. Autrement, ça ne marche pas, les amis. Si vous coupez l'interrupteur, si vous enlevez... Si vous coupez ça, là, les capteurs déclencheurs, les interrupteurs et toutes ces petites gadgets ne marcheront pas. Donc on va l'allumer quand même. Tac. Et là, on a un peu de lumière. On est cool, c'est cool. Il y a de la lumière ici aussi. On a quatre coffres pour le minage. Avec les canons, on a du chest, le maximum de chest, parce que celui-là c'est vraiment un truc de transport. Et les moteurs sont derrière, on ne voit pas parce que c'est super étroit. Il est optimisé bien comme il faut. Bon, il n'y a que ce bloc là qui est donc plus actif. Et puis voilà. Et puis voilà, donc là on a un petit panneau. Lumière générale, c'est donc lumière générale. On a notre petite porte de hangar. Projo, c'est les projos de minage et les projos qui en vont. Et puis on a nos portes. Pour ouvrir nos portes là. Les grandes portes des hangars. Qui sont ouvertes des deux côtés. C'est nickel chrome, c'est nickel chrome. Et c'est le tout dernier, celui-là. C'est celui que j'avais fait le tout dernier. En mineur. Ici il n'y a aucun canon. Donc on peut se poser avec un ou deux vaisseaux suivant. La propulsion, il y a ce qu'il faut, les canons sont sur les côtés. Même défense sur les côtés, donc une tourelle mitrailleuse ici et un lance-missile. Et nous avons aussi nos canons ici, de canons à nous qu'on peut utiliser. Et là c'est une tourelle de quelque chose, je ne sais plus. Et puis là il y a du minage, donc il y a une tourelle à outils puis une tourelle de minage, hein, bien entendu. Si je ne me trompe pas, les projos ils sont là. Il y en a là, il y en a de l'autre côté. Et puis bah, il est OP ce machin, je l'ai déjà utilisé, il est sympa, il va bien. Et franchement bien. Donc voilà, notre petit lit, si on veut faire dodo. Pouf! La journée est passée en espérant que l'orage aussi. Manifestement, l'orage n'est pas passé, on a des petites vitres blindées là. On va aller dans le cockpit, on a donc nos... Pourquoi je suis rentré dans le cockpit et puis que... Ah mais là je suis siège, un des sièges passagers. Et puis là on a nos deux canons donc, qui sont pas chargés, il y a un an. Et puis c'est good les amis, c'est good. Là on va pouvoir... on va être bien, là on va être bien, tout tourne. Hein. Tout tourne, tout tourne. Structure vide, tout est prêt à départ. Tout est prêt au départ, là logiquement il doit y avoir des sondes pour il y a des capteurs pour ceci, mais j'ai l'impression qu'il marche très bien. J'ai pas l'impression qu'il marche très bien, donc on descend la main, hein, c'est pas un problème. Hein. Donc on va couper le jus et puis on va voir ce qu'on peut faire tout de suite. Donc dans notre base on est nickel. Des ressources j'en ai pris quand même pas mal. Maintenant on pourrait faire quelque chose quoi. Donc en toute chose on va charger le vaisseau parce que j'ai vidé tous les vaisseaux y compris là-bas le petit. On a récupéré un max de ressources. Je vais lancer un autre, encore un autre vaisseau, bien entendu. On a lancé le préfabriqué blindé MK2. Celui-là il est armé jusqu'au dents. Il est blindé à souhait. Mais il manque de l'érythrium et du zirconium. L'érythrium j'en ai. Hein. L'érythrium j'en ai là. Mon chest, ça c'est vraiment ma réserve de. Réserve. Mais le zirconium, j'en ai pas. Parce qu'on l'a pas. On n'a pas les gisements encore. J'en ai un peu, j'en ai 48 ici, ce qui est nettement suffisant. J'ai sorti le maximum d'armes en élite, on va dire, aussi.
sortir le maximum d'armes en élite. Donc elles sont là. Non, ça c'est munitions. Je vais sortir aussi un patron de munitions. Donc j'ai plein d'armes élite en rouge. Améliorées à fond, quoi. Fusil de sniper, je me suis jamais servi. C'est à bloc. Donc l'érythrium, je vais peut-être en... j'en ai pris ou pas. Ah, j'en ai pris 900. Donc je peux déjà le mettre dans le chip, ça c'est sûr. Ça, de toute façon, ça sera jamais perdu pour le prochain, mais le zirconium, bah, faudra en trouver. Faudra en trouver, les amis, faudra en trouver. Et puis le démolition, bah écoutez, j'avais idée de vous le montrer un peu vite fait, mais je me suis dit non, on va pas spoiler, on va rester comme ça, les petits loulous. On va le faire, on va, je vous le montrerai quand on le craftera. De la chance parce que l'image elle est pas très exhaustive, l'image que j'ai dans l'image du blueprint, donc vous verrez pas à quoi il ressemble, mais il est pas mal, hein. C'est comme un gros tank. Il n'y a pas de lumière, ça creuse, c'est pas bien ça. Donc dans ces vaisseaux là, c'est les vaisseaux mères, mais je n'ai pas de culture dedans. Je sais pas pourquoi ça creuse, il n'y a pas assez de lumière à cet endroit là. À un moment donné, la lumière s'était éteinte, je sais pas pour quelle raison. Puis ça a crevé, ça a crevé brutalement. Donc, faudra qu'on sorte en hover aussi. Pour le terrain, en fait, cette plateforme là-bas, c'est plus pour un hover et pas... c'est pas forcément pour un vaisseau. Le vaisseau, on peut les mettre dessus. Plus pour un hover, faudra qu'on sorte en hover pour aller... faire ce qu'on veut. Alors ça on va le foutre là dedans. Tiens, pour avoir du plastique, je vais lancer un peu de plastique, lancer de ça un peu aussi. Et puis ben comme d'hab on va partir en expédition, hein. Parce qu'on va aller sur la lune, sur notre lune à nous. Non, les fibres, je les garde ici, les fibres. Les mines, j'avais lancé un pack son, mais j'ai pas pu tout faire, ça j'ai plus assez. Ça marche beaucoup avec de l'érythrium, hein. Non? Si, de l'érythrium et prométhium. Et puis aussi du pentaxyle. Du pentaxyle, ceux-là c'est du pentaxyle. Pentaxyle, j'en avais récupéré pas mal, j'en ai crafté aussi beaucoup. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait une bonne réserve, là on a quand même du carbu, on a de quoi faire. J'ai deux automineurs à niveau 1, bah, j'ai pas pu faire mieux. Et puis on va peut-être charger la bécane. Là tout de suite d'abord. Et on va se partir dans l'espace, voir ce qu'on va pouvoir faire. Tout de suite. On pourrait même presque se faire la base. Il me faut de l'armement pour cela là. Faut que je regarde munitions des lance-roquettes là sur les côtés. On pourrait même presque aller sur la station, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il faut de la munition de 15, hein, c'est normal, du 150 HMSL, charge laser 2 CV, charge laser CV. Alors c'est dans mon petit stock, il y a quelque chose. Parce que c'est pas un chasson, avec les canons avant on peut pas tirer comme on voudrait bien, donc il nous faut peut-être quelque chose. Alors ça c'est quoi? Charge large laser CV, ok. Pistolet, cellule laser, j'aurais pas dû en faire. Charge laser SV, CV, SV. C'est quoi du CV qu'on a? Ouais, c'est du CV. Là, j'ai des grosses munitions pour les lance-roquettes. Lance-roquettes, missiles guidés. Lance-roquettes. Je sais pas tout à fait ce qu'il faut. Lance-roquettes. Munitions de 30. Magasin canon électrique. Oh là là, ça doit être violent ça. Charge laser BA. On n'a pas l'embarras du choix. Hein. Faudrait que je relance peut-être quelque chose là-dedans. Lancer ce qui me manque. Alors les recharges laser CV. C'est sûrement pas cela. Cela on en a pris des impacts sans. On n'en a pas besoin. C'est vu le placement, on aurait besoin. Ah, charge plasma SV. C'est pas ça, c'est du plasma. Ça c'est quoi? BA.
C'est là qu'on aurait besoin. Matière plastique. On a de la matière plastique, mon garçon. On a de la matière plastique. Donc on va se lancer. PIHP, non. PICV, non. PIBA, non. ObuFlag, non. C'est celui-là qu'on a besoin. C'est le SV, celui-là. Et le SV, c'est... Non. CV. SV. SV, je sais plus. Bon, alors c'est celui-là. Et celui-là aussi. J'en ai mis que 10. De ressources. Ça, je vais le balancer dans le système. Ça, je les ai. Je vais aller voir déjà si je vais prendre les mines des tourelles. Donc, c'est cela de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. HMSL, HMSL, alors qu'est-ce que c'est ça? HMSL. Du HMSL. Des munitions, HMSL. Non, non. Pas dans ceux-là, je crois. Non, canon électrique. HV. MSL. MSL. HMSL. À deux types 150 155. Ah ouais, il faut savoir les qualités on a besoin. Je vais laisser cela pour voir ce que ça donne. Et puis les lance-roquettes, ça j'en aurais besoin pour mon petit vaisseau. Il me semble que c'est ça doit être cela. Ça doit être cela pour mon petit vaisseau. Bon, les petits loulous, je recharge tout ça, je regarde tout ce qu'on a besoin. Et puis maintenant on va partir en expédition. Ah, c'est 130, la roquette de 130 MSL. C'est pas de roquette de 130 MSL, ça c'est 150 MSL. C'est rentré. C'est rentré. Il faut du 130 MSL. Du 130 MSL, est-ce que j'en ai dans mon magasin? Magasin de folie. Donc ça doit être du 130. Ça c'est 150. Ça c'est les missiles roquettes. Je crois que manifestement j'en ai pas du 150, du 130 MSL. Du 130, pour savoir les munitions, c'est quelque chose de terrible. Cellule d'énergie, 150, c'est quoi ça? Non, 30. Quand on arrive, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ça doit être... Ah, mais c'est sur ces petits trucs là, ces petits trucs de merde. Ça, je dois en avoir, ça doit être assez simple d'avoir ce genre de truc. Je dois en avoir ces machins qui traînent quelque part. Je sais que j'en avais récupéré. Des petites roquettes à la noix. Non? Non? C'est horrible ça les amis, c'est horrible. J'ai rangé un peu mon stuff, hein, parce que c'était un boxant, un peu sans nom quoi. Moi j'en vends aussi. Bon, le petit loulou, on garde ça, je recharge un peu toute ma bécane, et puis on décolle pour mission. C'est tout soudain. Allez, à tout de suite. Et bon là chers amis, cet épisode est terminé, j'espère que vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup, merci pour fringuer comme d'hab, et puis on se retrouve au prochain épisode. Allez, à plus, joue.